sommes lundi, nouvelle semaine, il va bientôt être 11h. Je me suis levée vers genre 9h30 parce que du coup hier, je vous l'ai dit dans un vlog, on est allé à Disney avec mon copain et des potes. Et donc on y allait en voiture, donc c'est moi qui ai fait toutes les heures de conduite le matin, ça faisait 4 heures en tout, j'ai pas fait d'affilée, on s'est arrêté 2 fois je crois. Du coup ça m'a fatiguée, plus on a marché genre presque 12 km dans Disney, plus faire les attractions. Les files d'attente où tu restes debout un peu à piétiner. Et du coup le soir j'ai pu dormir un petit peu dans la voiture, mais on est rentré vers 2h. Donc j'étais vraiment fatiguée, du coup pas de sport ce matin. Là je suis en train, enfin je viens en fait de filmer la voix off de ma vidéo qui doit être en ligne aujourd'hui. Donc je vais mettre ma voix off sur ma vidéo, l'adapter etc. Et ensuite la monter, il faut que je monte une autre vidéo pour envoyer à une marque. Enfin une marque, si on peut appeler ça comme ça, bref vous verrez plus tard. Et aujourd'hui je prends à 13h40, je suis de soir toute la semaine. Donc voilà, ça me laisse un peu de temps le matin, même si je préfère être de matin, mais au moins je peux dormir un peu plus. Et ça c'est un truc qui est quand même cool. Voilà, donc je vais faire ma voix off, je vais monter l'autre vidéo, ce serait bien que je monte le vlog qui doit être en ligne demain aussi. Ça me ferait 3 montages, puis il faut que je me fasse à manger, tout ça, j'aimerais bien commencer à me faire des boîtes à manger en avance. D'ailleurs je vais recommander sûrement sur Amazon parce que là du coup j'en ai que 3. Et j'aimerais bien en avoir un peu plus. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vous reprends tout à l'heure. J'ai reçu un colis ce matin aussi, je vous montrerai tout à l'heure. Je vais d'abord faire la vidéo, comme ça je vous montrerai le colis quand ça chargera. Voilà, on va s'arranger comme ça. Bon, il est 11h30. Du coup, ce que je fais là, c'est que je commence à faire à manger. Mais en fait, je me fais mes manger en avance, mes manger, mes repas. Parce qu'il reste des pâtes et courgettes pour à midi. Du coup, je pense que je vais manger ça. Je vais vous montrer du coup ce que je vais faire. Donc là, j'ai décongelé mon petit poulet. Là, je vais faire chauffer de l'eau pour faire chauffer du riz. Du coup il y aura un truc avec poivron, donc là ils sont congelés les deux, faut que je les fasse décongeler après. Poivron, riz, poulet et brocoli, riz, poulet. Avec le poulet je vais mettre du curry et là je vais mettre des épices poulet tandoori là. Voilà. Donc il y aura une des barquettes qui sera pour ce soir. L'autre ce sera sûrement pour demain et je vais essayer du coup de faire un troisième truc, pas forcément aujourd'hui. Voilà, j'aimerais bien essayer de faire ça genre le dimanche ou à voir. Après il faut bien se renseigner sur par exemple la viande, combien de temps on peut la conserver etc. Pour pas vous préparer non plus trop à l'avance, mais je trouve ça cool. Voilà, par contre il faut que je faudra qu'on refasse quelques courses parce que genre on a plus de courgettes, plus de tomates, enfin voilà. Des petits trucs comme ça, là ma vidéo est toujours en train de charger sur le logiciel, il est qu'à 23%. Donc ça charge un petit peu lentement, sachant que je dois monter une autre vidéo après, j'espère que ça va aller. Bon, ce que j'ai reçu, je crois qu'ils sont pas encore sortis sur le Sephora France, parce que j'ai trouvé que sur sephora.com. Là si vous voyez que c'est écrit en français, c'est parce que j'ai fait la traduction. Du coup j'ai reçu en fait les lipsticks, c'est les Lip Stories. Et du coup là vous avez toutes les histoires pour chaque... gamme de rouge à lèvres avec les teintes qui font partie de ces histoires. Je trouve ça trop cool, je vais vous montrer le coffret. Donc déjà le coffret je le trouve trop beau. Sephora Collection Lip Stories. Voilà quoi il ressemble. Et quand on l'ouvre, attention, il y a tous les rouges à lèvres. Donc je crois qu'il y en a 40. Bon bah non, apparemment il y en a 30 puisque c'est des lignes de 5 et que vous avez 6 lignes de 5, donc 6 fois 5. 6 fois 5 ça fait 30, donc je vous ai 10, 20, 30, voilà. Et donc vous avez toutes les teintes, franchement, elles sont magnifiques. Donc je les ai pas encore ouvertes, en fait ils sont tous sous blister. Donc ce que je voulais vous demander c'est, est-ce que sur ma chaîne principale ça vous dit une vidéo où je les swatch tous? Je sais que ça ferait vraiment vraiment beaucoup. Mais comme ça je pourrais tous vous les montrer parce que là en vlog vous en montrez un par-ci par-là, voilà quoi. Et il y a des couleurs hyper originales, franchement. J'ai trop trop hâte de les essayer, donc dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Et si ça vous intéresse pas, bah, je le ferai pas et je garderai ça pour moi. Si ça vous intéresse, eh bien je le ferai, je pense que je vais poster une petite photo sur Insta aussi pour vous demander. Donc voilà, voilà. Donc je suis trop contente, un grand merci à Sephora. Si vous voyez je suis toujours en pyjama et en peignoir, oh là là. J'ai besoin d'un jour de week-end en plus. Mais bon, nous n'avons pas le choix. Voilà, donc là je vais prendre mes affaires de stage, je vais regarder quelques petits médicaments que je devais me renseigner un peu plus, tout ça. Je vais faire ça et je vous ai pas raconté. Déjà je sais plus si je vous l'ai dit, je suis allée au cinéma, c'était quand? Vendredi soir avec Jade,
On est allé voir le film, on est allé voir le dernier Insidious et j'avais entendu pas mal d'avis négatifs et tout. Moi j'ai bien aimé. Il y a un seul truc, bah, je vais pas trop vous le dire si vous l'avez pas vu, mais à la fin, il y avait un effet spécial, c'était assez bizarre, assez mal fait, j'ai trouvé. Je peux pas vous dire lequel du coup parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement, j'ai pas trouvé qu'il faisait super peur. Je pense que je suis un peu moins sensible aux films d'horreur. Et voilà, et sinon ma grosse boulette pour Disney, hier matin, je vais pour imprimer mon billet. Et je vois billet mini et tout, je regarde les conditions. Et en fait, j'avais pris un billet qu'on peut utiliser qu'en semaine et pas en période de vacances et tout. Et là, comme on y allait un dimanche, c'était pas possible de l'utiliser. Du coup, vite, vite, j'ai racheté un billet magique. Donc voilà, j'étais un peu dégoûtée. Là, ce matin, puisque j'ai pas eu le temps de le faire hier, j'ai envoyé un message au site. J'avais pas pris d'assurance d'annulation, mais je leur ai envoyé un message en disant que je me suis trompée de billet. Donc je sais pas si je vais pouvoir me faire rembourser. En plus, c'est un billet qui est utilisable jusqu'à mars. Sauf que le truc, c'est que moi, je serai dispo, enfin, je serai jamais dispo dans la semaine pour aller à Disney. Donc voilà. Je sais pas trop, je vais voir. J'allais dire, je propose à ma soeur, mais le problème c'est qu'en semaine elle a cours. Donc je sais pas comment faire. Au début, je m'étais dit peut-être que je pourrais vous le faire gagner. Sauf que le problème c'est que si je fais gagner un billet comme ça se peut que ce soit quelqu'un qui gagne et qui ne l'utilisera jamais. Donc ce serait perdu. Donc voilà, je vais voir pour me faire rembourser. On verra ce qu'il me répond. J'espère que ce sera possible parce que c'était genre, je sais plus combien c'était. Enfin, environ 60 € quoi, déjà que. J'ai pas encore reçu ma paye ce mois-ci. Plus c'est moi qui ai payé essence, péage. Bon, après on va se repartager avec ses potes et tout. Mais voilà. Du coup, j'étais un peu deg quand j'ai vu ça. Mais en tout cas, heureusement que je me suis rendu compte là. Parce que acheter un billet le jour même sur le parc, ça aurait coûté je ne sais combien. En tout cas, c'était vraiment trop cool. Voilà. Les manèges à sensations et tout. J'adore. On a fait presque que ça. Il y a juste. C'est quoi, Pirates des Caraïbes qu'on a fait où ça bouge pas. C'est juste tu te balades. Voilà, franchement, c'était trop bien. Et limite, je trouve que même ceux qui bougent le plus, ça me fait pas grand chose. Je sais pas ce qu'il me faut pour que j'ai plus de sensations, mais voilà. Je suis pas du tout genre quelqu'un qui va crier dans les manèges et tout. Enfin, voilà, bref, je vais voir parce qu'il y a le micro-ondes qui a sonné pour voir si mon poulet est décongelé. Puis j'ai encore pas mal de choses à faire. Il va être midi quoi. Le temps passe trop vite. Bon, j'ai fini de faire à manger. Là, il est midi 16. Je suis toujours en pisse, je bouge. Enfin, je fais plein de trucs quoi, mais bon. Là, ma vidéo a fini de charger sur mon logiciel, donc il faut absolument que je monte la deuxième. Je l'ai fait charger sur YouTube, l'autre. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne mes petits plats. Du coup, voilà. Donc, riz, poulet et poivron au curry. Riz, poulet, épices tandoori là. Et des petits brocolis. Bon, du coup, voilà, c'est top. Donc, je pense que je vais en recommander. Et du coup, pour ce midi, bon, ce sera pas ouf. Hein. Il n'y a même pas de viande, mais bon, tant pis. Pâtes, coulis de tomates, courgettes. Bon, midi 49, je viens de finir de monter ma vidéo. Elle fait 7 minutes 46, donc j'espère qu'elle va se monter vite. Je devais ajouter en plus un truc sur les images, mais j'ai pas réussi à faire. Du coup, je vais déjà leur envoyer comme ça. On verra pour les autres petits trucs. Donc voilà, j'espère qu'elle aura fini de charger avant que je parte. Là, je vais faire un peu toilette, habillage, tout ça quoi. Parce que là, ce n'est pas possible. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, 13h05, faut absolument que je parte. Du coup, j'ai pas du tout eu le temps de chercher les effets secondaires des médicaments que je voulais chercher. J'ai déjà cherché les classes et tout. Donc voilà, faudra que j'en fasse mon chinois, il ressemble à rien, enfin bref. C'est un peu... Je suis un peu à la bourre aujourd'hui, mais bon. Il y a des jours, c'est comme ça. Donc je vais me dépêcher et go. J'ai un gros souci les gars, je n'ai pas mes clés de maison. Je pense qu'elles sont en bas, sauf que ça veut dire qu'il faut que je remonte, je descende. Oh là là, c'est la galère. Et normalement, il y a une porte du garage qui est fermée à clé. Sauf que je vous avais dit depuis les travaux, comment ? Elle n'est pas du tout fermée. Du coup, heureusement, sinon j'aurais jamais pu aller à ma voiture en fait. Et je pense que les clés, on les a laissées dans la voiture. Donc ouf, elles sont bien dans la voiture, heureusement, parce que le problème sinon c'est que je ne peux pas sortir de mon garage. Ce serait un petit peu embêtant. Ils avaient remonté le volant, je crois, pour conduire. Je sais pas s'ils l'ont redescendu. J'ai l'impression qu'il est plus haut que d'hab. Bref, go go go, j'ai pas le temps. Bon, devinez ce que j'ai oublié. Mes lunettes.
Bon, me voilà de retour, qualité ignoble puisque je suis dans le noir. Je rentre chez moi, voilà, normalement le jour où vous verrez ce vlog, si vous regardez Plus belle la vie en replay, ce sera le jour je crois où je passe dedans. C'est l'épisode je sais plus quoi qui se termine par 54, et si vous regardez la télé c'est l'épisode de jeudi. Donc voilà, là je rentre dans mon petit garage, demain je ne vlog pas, du coup je vous filmerai juste la petite partie de l'épisode où on me voit. Je suis un peu là. Ah ouais, si, pardon. J'aimerais bien que tu sois un petit peu sur le coup quand même. Il faudrait. Et donc voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. C'était pas ouf, ouf hein. De toute façon quand je suis de soi, en fait j'ai pas beaucoup de temps le matin, donc voilà quoi. Pas le temps de faire grand chose, demain j'irai au sport. Et puis voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.